Alors, d'où je viens, je m'appelle Florian Beaumont, j'ai 28 ans, je viens de Paris. Alors, mon personnage, il s'appelle le groom, donc le marié, et donc, du coup, je suis celui qui chasse le héros pendant tout le long du spectacle. Alors, ça fait 10 ans que je suis cascadeur, performeur. J'ai commencé par le parkour et le taekwondo. Ensuite, j'ai commencé à travailler avec les Yamakasi, avec qui j'ai commencé à performer un peu partout, en France et en Europe. Et voilà, après, beaucoup de boxe, beaucoup d'arts martiaux et de l'acrobatie. C'est ce que les gens savent pas sur moi. Je suis assez timide, voilà, on va dire ça. Quand on commence, on a tous envie forcément d'être dans les plus grandes compagnies ou d'être dans les endroits où ça marche le mieux. Donc non, ma vision n'a pas changé, c'est comme je l'espérais en tout cas, c'est très professionnel et on est dans un très bon environnement artistique. Ouais, mon personnage en trois mots, je dirais sournois, déterminé et forcément méchant. Là où je serais différent dans ce personnage-là, c'est que j'irais peut-être pas forcément aussi loin que lui va aller tout au long du spectacle. Et puis ce qui m'a motivé, c'est que y a tout un attrait autour de ce personnage qui me différencie aussi pas mal, qui me lie aussi beaucoup. Et puis surtout la performance qu'il va y avoir à faire dessus. Quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Et puis il a des valeurs surtout. Je peux pas trop en dire, sinon je dévoile certaines parties du spectacle. Mais il tient à ses valeurs et il est déterminé à celle-ci. Donc c'est surtout ça qui me relie à ce personnage. Trois films d'action préférés. Bah Matrix, ça a marqué un temps pour moi. À ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ce genre de film. Plus récemment, John Wick et The Raid. Voilà, ce seraient les trois principaux. Avant de terminer, bah non, hâte de commencer la création, hâte de voir le spectacle fini et hâte que les gens le découvrent aussi avec nous et qu'on partage tous un bon moment.